Donc aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les créations que j'ai pu réaliser, monter et pas monter. Il y aura sûrement 2-3 parties parce que j'en ai trop et de toute façon, je vais pas tout vous montrer parce que je fais des cuissons presque tous les jours. Enfin voilà, donc il y a toujours le ventilateur, donc si ça fait un petit bruit, je suis désolée. Donc on va commencer avec les paires de boucles d'oreilles. Donc déjà, j'ai réalisé mon portoir à bijoux. Si vous voulez un petit tuto, n'hésitez pas à demander. Donc on va commencer. Donc là, j'ai des Chupa Chups. Là, c'est des petits éléphants. Alors là, il manque l'oreille, hein, c'est normal, je vais finir. Elle est cassée, il faut que je la répare. Là, nous avons des petites perles, donc c'est moi aussi qui les réalise. Là, on a des carambars. Alors, on en a à la framboise et à la barbe à papa. Le deuxième, j'ai pas fini de le monter. Il est dans un placard. Alors là, encore avec des perles. Donc, c'est des petites roses avec une perle blanche dedans. Ensuite, ici, on a des diamants avec une perle blanche. Des petits donuts de Noël. Donc, j'ai fait le tuto. Il va être mis en ligne dans pas très longtemps, j'espère. Des Chupa Chups, encore avec des perles. Là, c'est une petite glace. Alors, je ne sais pas où elle est, la deuxième. Ah, elle est là. Attendez, on va la mettre à sa place. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, on a des petits cookies qui sont pas très foncés, mais voilà, ils sont un petit peu loupés. Là, on a des muffins avec le vrai effet. Hein. Je trouve qu'ils sont très réalistes. On voit pas très bien dans la vidéo, mais voilà. Ensuite, vous allez avoir des chamallows. Des petits chamallows comme ça qui sont trop mignons. Ensuite, on a ça. Donc, je sais pas trop comment appeler ça. Des chamallows déroulés. Voilà, c'est très fin, c'est très joli, je trouve. Ensuite, on a des petits magnums comme ça, visage. Donc, magnum kawaii. Ensuite, nous avons ceci. Donc, la deuxième paire est ici, que je vais mettre là. Donc, voilà. Alors, avant, j'avais toutes les couleurs, sauf que j'ai tout vendu. Il me reste plus que celle-là parce qu'on m'a fait une commande et j'attends que la personne vienne la chercher. Donc voilà, c'est des comme ça. Elles sont toutes jolies. J'adore. Moi, je les adore. Enfin, voilà, des barbes à papa. Donc, comme ça. Là, il y a des petits réglisses comme ça, noirs. Donc, la deuxième n'est pas encore montée. Là, on a des petits BN. BN. Comme ceci, petit BN. Ensuite, on a des petits macarons. Donc, ça, c'est mes tout premiers. J'en ai vendu plein, donc j'en ai plus du tout. Il me reste que celle-ci. Ensuite, j'ai des fioles avec ça dedans. Donc, si vous voulez que je vous fasse le tuto pour les choses qui sont dedans, il n'y a pas de problème. Ensuite, on arrive dans toutes les parts de gâteau. Donc, nous avons celle-ci. Donc là, j'en ai plein. Ensuite, on a cette part de gâteau. Comme ça. Donc là, on a encore les mêmes parts de gâteau. Et encore les mêmes parts. Ensuite, les cornets de glace. Donc, je vous ai montré tout à l'heure. Des petits teufs bonbons. Donc, je vais vous montrer. Là, nous avons ceci. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc c'est comme ça. Et j'en ai au four et je vais de toutes les couleurs. Excusez-moi. Après, on descend. On a des petites crêpes comme ça avec du coulis fraise et puis des petites fraises et de la chantilly. Donc, c'est des crêpes. Hein. Et là, on a une petite crêpe simple avec des paillettes et puis de la chantilly et des petits cœurs au caramel. Ah, j'ai bien... de terminer donc la deuxième paire et ma crêpe est tombée, ma deuxième crêpe et mon deuxième cœur, même chose, il est tombé lui aussi. Donc voilà, donc si vous voulez que je vous fasse des tutos sur quelque chose que vous avez vu, il n'y a pas de problème, hein. Donc on va continuer donc avec trois boîtes que j'ai customisées.
Donc là, il n'y en a que trois, mais j'en ai d'autres. Donc j'ai celle-ci. Donc c'est des smileys, des perles. Enfin, une canne smiley. Si vous voulez le tuto de la canne, je vous le ferai. Et puis une part de pizza. On a donc celui-ci. Il y a un petit champignon de Mario. Alors là, c'est une feuille en fimo. Je sais pas si vous allez voir très bien, mais il y a des traits. On voit pas très bien. Voilà, des perles. Et puis, c'était une tarte à la framboise que j'ai tout coupée. Donc, ça ressemble plus trop à des framboises. Mais voilà. Et j'ai ma préférée, donc, qui est celle-ci. Donc, c'est la crème de Wepam avec des perles. Là, il y a une petite rose et puis un petit ourson comme ça qui est trop chou. Alors ensuite dans ma boîte, on va dire, où j'ai tout bourré dedans. J'avais des saletés dedans qu'il fallait pas. Donc là, une moustache cassée. Je sais pas ce que c'est. Alors là, on a un petit macaron ourson avec son effet. Un collier qui est magnifique. Donc qui est comme ça. Donc c'est un petit muffin avec un coulis de chocolat. De la chantilly et avec un petit point. Alors si vous voulez le tuto donc de cette chantilly, il suffit d'aller la voir. Donc c'est chantilly fait main. Vous verrez. C'est très facile. Donc c'est un collier. Enfin c'est un pendentif. Alors là j'ai plein de cure-dents. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Alors j'ai un petit nœud comme ça qui est trop chou. Choupa Choups, donc voilà, un petit roulé comme ça, un petit aimant comme ça, fleur, ok, comme ça, un aimant pareil, comme ça là, je sais plus comment ça s'appelle, pizza, voilà. Alors là, c'est la même chose que la boucle d'oreille, sauf que ça sera en bague. Encore une petite fleur comme ça. Une tablette de chocolat. Donc. Voilà. Une framboise. Ça, c'est une canne. Canne toute molle. Donc si vous voulez des tutos, il n'y a pas de problème sur une création, il n'y a pas de problème. Un petit ourson, donc fait sans moule. Ça c'est pour les pépites de chocolat. Donc un cookie M&M's que j'ai fait moi-même. Là nous avons un muffin sorcière, moi j'appelle ça. Donc j'ai mis ma petite chantilly, donc qui est... une chantilly, donc la base à cupcake, un petit nœud et puis un petit chapeau et j'ai mis des perles dedans. Moi c'est des perles toutes grises. Voilà, ensuite j'ai un nœud comme ça, donc avec une petite tache, puis il est tout sale parce qu'en fait je l'ai moulé et il est tout sale. Un aimant moustache, donc qui est très joli. Un petit gâteau comme ça, donc... comme ça, avec la part des gâteaux, un cœur, une barre de papa, encore la part, encore une autre part de gâteau. Ensuite, là, on a canne smiley rigolote, et puis là, voilà. Canne fleur loupée. Et que j'aime bien. Alors, une framboise, un petit pain comme ça, donc c'est un aimant, pizza aimantée, moule fleur, cookie, pot avec des chichis dedans. Petit chocolat comme ça, donc avec des cacahuètes, un aimant,
le donut de Noël. Enfin voilà quoi. Là il y a une madeleine, part de pizza, cookies, un cœur aimanté, un Paris-Brest, une madeleine, des cannes. Et puis voilà. Donc voilà la partie 1 et on se retrouve pour la partie 2. À tout de suite.